Dans ce magasin ouvert depuis plus d'un an à Évry 2, les soldes d'hiver étaient très attendus. Alors la gérante a tout misé sur les remises dès le début. Les clients étaient venus faire des repérages et le lancement des soldes s'est très bien passé. Nous, on attaquait très très fort. C'est-à-dire que tout de suite, on attaquait à des prix très très intéressants, très attractifs, de l'ordre de moins 30 à moins 50%. Et par contre, on a pratiquement rien fait en deuxième et troisième des marques. Donc c'est vrai que c'est la première partie des soldes qui a été la plus importante pour nous. D'après un bilan de la CCI, les commerçants sont plutôt déçus du bilan des soldes d'hiver. Avec un mois de décembre en berne, cette période était très attendue. Le chiffre d'affaires est estimé en baisse pour la 7e année consécutive. À Évry 2, le centre commercial semble épargné, avec plutôt des bons résultats. On a eu un très bon début de solde. Et ensuite, bon, alors la météo aidant, effectivement, ça a un peu ralenti. Mais je n'ai pas tous les derniers chiffres. Mais globalement, les commerçants sont satisfaits des soldes 2013. Le centre explique cela par une forte fréquentation, mais aussi par l'ouverture d'un nouveau magasin qui a fait le buzz. Les ventes privées expliquent également une baisse de la fréquentation pendant les soldes. Au final, c'est 55% des commerçants essonniens qui sont déçus de leurs résultats.